Bon, ça y est. Ça y est, Marc. Ça y est, on a accompli ces 12 jours de facilitateur et EFT tambour chamanique. Ouais. Pour animer des cercles de EFT combinés avec le tambour, le voix. Et bah, bien sûr, l'élément le plus important, c'est le cœur. Beaucoup d'énergie. Donc, j'ai Emmanuel Lorido avec moi, de site internet Terre du Cœur. Oui. Et donc, le cœur, on le trouve avec le battement de cœur de tambour. Voilà. Hein, les mémoires prénatales. Oui. Donc, bien sûr, vous me connaissez, c'est Marc Robertson, de le site Éternuaire vers le cœur en joie, avec mon épouse Renée. Et c'est, le site, c'est ecg.com. Donc, j'ai demandé à Emmanuel de témoigner de ce qu'elle a ressenti après ce premier niveau de facilitateur de cercle de EFT et tambour. Donc, Emmanuel, t'as pas les oreilles trop cassées? Écoute, ce qui me vient de dire là maintenant, Marc, c'est vraiment faire renaître le chaman en soi. Ah. Parce qu'on est tous chamans. Oui. Et chamoman. Chamoman, c'est... Les... Voilà. Oui, oui. Donc, c'est important. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment se reconnecter à notre essence, se reconnecter à la nature, se reconnecter à cet esprit de lumière qui est incarné dans la matière, dans notre corps, dans notre physique. Et... ça a été pour moi un prolongement de tout un cheminement, bien sûr, et aussi une belle découverte de plein d'aspects, une révélation d'associer l'EFT et le tambour chamanique, oui. Tout comme en fait le tambour comme un prolongement de notre propre tambour, parce qu'en EFT, on fait du tapping, hein, on tapote sur les points des méridiens, et notre cœur. C'est notre premier tambour. Oui. Et on est même allé jusqu'à le relier au battement de cœur initial. De notre maman. On l'a entendu dans le ventre. Exactement. Oui. Et puis notre battement de cœur d'embryon. Ça te parle encore plus parce que c'est ta spécialité. Exactement. Les histoires de naissance et comment ça se passe. Exactement. Et donc samedi dimanche, j'anime un stage de vie intra-utérine et naissance par l'EFT et je vais pouvoir vraiment incarner ce qui s'est passé là et le faire vivre aussi aux personnes qui vont venir faire ce beau cheminement. Donc tu penses que cet outil va, de façon que se présenter, vous laisse le champ ouvert de l'intégrer dans ton propre parcours de thérapeute? Bien sûr, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que chacun finalement peut l'associer et vraiment le faire vivre à travers sa propre pratique, c'est l'idée. Et ça peut trouver des directions insoupçonnées en chacun. C'est juste une limite de notre propre créativité et là, de faire ce travail, cette initiation, parce que c'est une initiation, c'est même une consécration. Voilà, moi j'avais ce tambour. Et là, il y a eu vraiment une cérémonie. Une cérémonie pour commencer. Oui. Exactement, pour vraiment entrer en résonance, ce qu'elle veut dire, avec notre tambour, entrer en amour avec notre tambour. Et c'est vraiment quelque chose de très très fort. Oui, merci beaucoup de fond de cœur, Emmanuel. Merci à toi. Voilà, au plaisir. Oh. Allez, quelques coups. Thank you.